Yon l'autre fois, go bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci pour fidélité nous avec TV Caraïbes depuis Bombado Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Je dis à nous pas développer plusieurs points pour une information, mais avant nous faire ça, équipe TV Caraïbes, je voulais remercier tout le monde qui toujours branché TV Caraïbes pour information pays. Et un gros remerciement avec ça, toujours qui t'en commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombado Police, équipe TV Caraïbes, nous apprécions ça en pile. Eh bien, nous pas perdre temps là, nous pas dérouler avec information yo. En noue, plusieurs partis politiques présentés épicien yon proposition accord pour yon dialogue sans passe pour qui ici en Haïti. Office National Migration, ONM, distribue kit scolaire à kit alimentaire by environ yon centaine moun ka vivent dans la région métropolitaine nan la Port-au-Prince, spécialement dans la zone région Cité Soleil la. Mairie Cité Soleil la, Jean-Islain Frédéric, mande président République la, Jovenel Moïse, pou kembe la, yap goumen. Eh bien, c'est information ça nous porter pour vous avec fête patronale Saint-Nicolas. Eh bien, nous pas perdre temps non là. N'a commencé coulier. Ma première démarche est de vous présenter le comité d'initiative qui vous a convié à la rencontre de ce matin. Il m'a proposé des personnalités suivantes. Madame Lula Zéphirin, du réseau Femmes Libres, de Madame Ziki, présidente de l'association des membres du Nord, du professeur Max Attis et de ses représentants susceptibles de gommer les différences et de rassembler tous les enfants de Dessalines, de Christophe et de Pétion autour d'un même projet de développement, un projet et qui va fondre tous les intérêts dans un même projet pour redonner à Haïti sa place d'antan dans le concert des nations comme la perle des Antilles. En effet, depuis plusieurs mois déjà, comme nous en sommes les témoins, et comme tous les peuples de la région des Caraïbes, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Australie et de l'Europe en sont les témoins, Haïti, notre pays, se trouve confronté à des troubles politiques d'une telle ampleur et d'une telle force exiger la démission du chef de l'État. Les manifestations sont parfois porteuses de
une légitime revendication. Malheureusement, elles sont souvent violentes, occasionnant de grands dégâts. Sacs de bâtiments institutionnels, de bâtiments industriels et commerciaux, pillage des étalages des petits commerçants et des paysans, érection dans les rues des villes et sur la route nationale de barricades enflammées, entre autres la détérioration des chaussées, dont la réhabilitation coûte à l'État environ 1 million de dollars par kilomètre. Vraiment invité et nous discuter déjà dans les réflexions nous fait avec responsable sous et solution sur ensemble de solutions que pays et parti politique qui l'a organisation et spécialement fédération nationale Eli Lokoyo capable chita gagner une ou deux tiers sénat ou cap après arriver et à fin mandat à thème j'aime d'adia mais nous dans la collectivité à nous victimes de toutes sortes de problèmes nous gouvernement yo et mon cap dirigé t'es toujours bail priorité avec des sénateurs nous pensons que et dans le moment ça collectivité après aller aller en souffle côté que lui-même il pral mettre moyens qui c'est réel moyen collectivité ou développer tête pour porter service bail et population haïtienne là dans quatre coins pays moi penser les ça collectivité lui-même pour jouer rôle comme ça aujourd'hui à c'est une journée je dirais assez spéciale dans la mesure où depuis plus de deux mois le pays a traversé une crise en tout cas, nous n'avons pas l'habitude de tomber dans un tel Kachumumbe. Donc, il y a une initiative qui était prise il y a 22 jours de cela. En quoi consiste cette initiative? Eh bien, nous dit que il y a une crise conjoncturelle en dedans pays, il y a une crise astro. Pour du bruit, nécessité de supposé rentrer. Donc là que ou un pays qui bloqué donc produit ça ou pas capable rentrer donc ça vient et compliquer situation monde donc qui donc gain des activités de commerce c'est là pour approvisionner donc pour que capable manger moins donc je dis donc le nord-ouest il vraiment trouvé une situation qui compliquée et c'est ça qui fait que nous mêmes comme dirigeants donc nous opter pour que gain une décision gain sacrifice qui fait pour permettre que crise ça les se camper donc sans quoi donc n'a pas assisté à une situation de chaos qui pral et engager population en plus problème que le droit. Donc en matière de sécurité jusqu'à présent nous pas capable dire que n'a vivre dans un pays qui tout à fait sécuritaire donc par le fait que je dis à là ou gain en pile donc situation côté que et capable dire manque incapacité. Donc nous-mêmes comme autorité et en particulier la police nationale là, pour répondre donc a besoin de sécurité tout le monde dans la population donc ça vient faire que à travers les sections communales avec situation de misère de grand groupe on équipe monde et qui est papillé partout qui a théorisé la population donc par rapport à ça que on gagne donc son situation qui est complexe et nous t'a souhaité que dans toute discussion pour permettre que pays a l'état capable à long souffle qui t'a capable permettre que population l'évacuer à occupation de Jacques-Culté. Heureusement pour le Nord-Ouest, jusqu'à présent, nous avons dit nous 10 sur 10, parce que dans toutes 10 communes qui sont dans le département, donc alors, je parle en qualité de président de l'association magistrat Nord-Ouest, donc moi, bien imbu de la situation du département. Donc, depuis en octobre, l'école a fonctionné normalement au niveau Nord-Ouest. Jusqu'à présent, en dépit de toutes difficultés que les parents ont eu jusqu'à présent, donc il y a des parents qui choisissent tout simplement pas voter Timounio, c'est faute de moyens économiques. Mais quant à pour l'école là, donc toutes 10 communes dans le département nord-ouest a fonctionné normalement depuis octobre. Ce qui passe pendant la journée, c'est que c'est différents secteurs qui réunissent dans l'idée pour joindre un accord politique inclusif pour un dénouement heureux des crises politiques
cap saccagé pays depuis quelque temps. Moi en tant que maire de Belance et vice-président Finam, on pas parler dans nom, même parler dans nom Finam. Finam partager l'idée pour un accord politique inclusif pour une raison bien simple. La raison c'est que le système nous tout à combattre là, toute voix levée qui dit que le système ça arrive dans bout li, en panne, il pas capable encore. Il y a deux caractéristiques fondamentales. C'est l'exclusion et l'inégalité. Donc maintenant tout accord politique qui doit joindre pour un dénouement pacifique de crise là, dit doit inclusif. Nous-mêmes comme collectivité territoriale qui sont pouvoir de proximité, nous porte parole monde qui sont dans habitation passer dans section communale, tomber dans ville et même passer par département yo. Parole ça n'a porte c'est pas parole pas nous. Nous ta capable de position politique pas nous, mais monde ça yo nous représenter yo vle que gon dénouement heureux de crise. Puisque nous tous, nous sommes haïtiens. Pas aucun monde qui vous met aucun monde dehors. Que c'est un accord politique ponctuel pour un dénouement heureux de crise d'idoué inclusif. Que c'est un éventuel chat fondamental pour refondation paysan l'idoué inclusif parce que nous tous, nous sommes petits paysans. Présence dans mairie Cité Soleil là, c'est justement dans cadre travail ONM nous connaissons qui c'est Office National de Migration côté que nous t'ai apprendre que tu gagne des déplacés internes suite à des problèmes de turbulence justement qui t'a régné dans la zone quartier de Bouston, de Bois-Neuf, pour ne citer que quartier Sayo, alors que il y a pile monde qui était obligé de déplacer pour être capable sauver Polo. Donc ONM, j'aime de dire, non seulement il y a pour mission pour accueillir les migrants et permettre que les migrants soient capables d'intégrer, et comme ça tout, ONM gagne pour mission tout, pour les capables de supporter si la yo qui est en situation de détresse, en situation difficile, surtout leur gagner sorte de migration interne sa yo qui a fait. Donc c'est comme ça, nous t'apprenons par voie de presse, situation ça. Et nous t'ai parlé avec magistrat Frédéric Islin, qui est maire titulaire justement de la commune, qui lui-même a fourni pas mal d'informations. Et que c'est à partir de ces informations concernant les gens qui étaient là, la quantité de gens qui étaient là, les gens qui étaient là, etc. Et que toute équipe ONM te dit que l'innécessaire, l'important et même indispensable pour venir en aide, c'est ainsi que nous t'ai préparé un kit complet qui est composé des éléments, je dirais, alimentaires et également des éléments d'hygiène. Côté que nous dit, nous avons appuyé Mounio, nous avons eu de quoi, justement, pendant un moment difficile, ça, pour que nous sentions effectivement que des moun nan pays k ap pense avec yo. Et fam di nou que c'est sous l'instruction formelle du président de la République, son excellence monsieur Jovenel Moïse, qui lui-même mandé pour que chaque directeur yo en ce qui le concerne chacun pour venir en aide à la population. Donc c'est dans ce sens ça nous déplacer pour que nous t'es capable faire distribution de kits alimentaires ça, alors de kits complet ça que nous distribuons aujourd'hui hein. Nous t'es profité justement pour nous distribuer valises, kits et scolaires côté que nous jeunes en pile si monde vraiment dans espace là qui pas aller l'école. Nous pensons que c'était important pour que nous t'es fait, nous t'es procédé à distribution ça. Nous touchons exactement 120 monde, nous t'es informé de 100 familles environ, mais nous même nous t'es dit que n'a majoré li n'a porté un surplus. Et nous sentis que même le nous déporté 200, 300, il n'y a pas suffi pour que nous t'ayons effectivement touché tout le monde parce que nous sentis que nous avons un engouement mounio dans le besoin. Donc nous touchons, je dis là, 120 familles. Nous trouvons que c'est une initiative qui est louable par le biais de l'administration centrale avec DG et OEM, l'ONM, donc qui permettent que je dis à. Et mon Cité Soleil, mon projet d'Ouya,
qui déplacés dans la zone par rapport à la situation terrible dernièrement, après la mort de Tirogan qui a dirigé Boston. Donc, ils ont senti qu'ils n'étaient pas en sécurité, il faut qu'ils soient déplacés. Et ils déplacés, donc, ils ont compté pour venir, c'est dans la mairie. Donc, ça a montré que la mairie a servi toute la population. Dans le temps, ils étaient capables de venir dans la mairie, parce que la mairie a dit qu'ils ont attribué la mairie à tel clan. Un jour, ils ont tous dans la mairie, ils ont venu, ça prouvait que la mairie n'a pas un clan là-dedans, n'a pas un responsable chef de bande là-dedans qui a dirigé par un barrio, donc tout le monde est venu dans la mairie. Mais malheureusement, la situation était difficile pour nous parce que nous n'avons pas de moyens après. 3 mois de l'autre dans le pays, donc mairie a jusqu'à 7 minutes n'a pas allé là, mais mon dollar n'a pas jamais entré. Nous pas calmement des contribuables pour payer, mais avec l'aide ONM, avec l'aide FAES, nous arrivons et gérons mon yo de façon à ce que nous sommes capables. Mais nous avons supposé permettre à chaque mon yo, chaque jour, un plat chaud et ensuite permettre de dormir bien, mais malheureusement, nous n'avons pas de moyens pour nous dormir bien parce que nous avons demandé avec l'autre monde qui a des possibilités dans le pays. Ya, qui n'a et centre d'activité ça yo à savoir aider moun ki pa gagne yo yo te ka wè mairie cité soleil pou ta vinn en aide avec moun ça. Donc encore une fois n'a félicité directeur général ONM nan pour initiative ça, n'a remercié FAES publiquement et n'a remercié ministre affaires sociales là tout dernièrement qui te font gros activité avec moun cité soleil qui te bay environ 206 moun yon bon qui ka permettre yo joindre un petit chocho chaque mois dans CAS. Parce que ça son initiative que nous n'avons pas de plat dans le déjà, nous prenons le goût mais par rapport à la quantité de mon cité soleil gain, mais son bon début. Parce que nous n'avons pas de plat dans le déjà, commencer avec un 200, un 300 monde, donc son bon bagage. Donc encore une fois, nous avons dit président Jovenel, nous comprenons que lui toujours tant de cri population, un monde qui est mal. Et nous avons dit toujours été avec même détermination pour toujours un monde qui est mal. Et nous avons tout signalé président ça pendant nous jeunes de la presse là, pour venir. Qui est canal pour nous parce que c'est un véritable problème de la cité soleil. Parce que des petits la pluie tombe, nous sommes envahis avec l'eau. Donc nous avons déjà mal dormi, nous n'avons pas de bon cas pour nous dormir. Mais en tout cas, le soir, si nous avons dormi, tout faut dormir. Mais des petits la pluie tombe, la pluie va les tomber cité soleil. La nuit tombe près de son ville, et puis la cité soleil va pas dormir. Donc nous avons souhaité que le président entende ça, il a mis une équipe dehors pour venir aider curer canal pour nous et ensuite draguer la mer. Donc encore une fois, nous battons gros bravo pour l'initiative ça aujourd'hui et nous dit président Jovenel Kimbela nous là n'a goumé. C'est qui m'a saint Jésus-Christ par nous, c'est venu à moi les petits enfants. Car moi je suis sur les ailleurs. C'est une première image, c'est une mon seul abri qui te frappait tout, c'est Nicolas. Que dans quel pays, c'est vous ça, vous avez Timon au cadeau. C'est Nicolas, c'est le patron des enfants. En Belgique, par exemple, aux Pays-Bas. Donc c'est vous ça que vous avez une attention spéciale pour Timon au nom de Saint Nicolas et comme Saint Nicolas. Puisque Timon, c'est prochain en tout, nous devons faire attention pour le prochain qu'il a avec nous. Maintenant, dis-nous, t'as pour Saint-Nicolas, un travail pour changer la communauté noire, nous avons le prochain nous. Ça fait 71 ans depuis que Saint-Nicolas, paroisse là, il est élevé au rang de paroisse. Avant, c'était une chapelle, mais qui dépend de paroisse Saint-Pierre. Voyez? Donc, il y a 71 ans depuis qu'elle est élevé au rang de paroisse, que nous commune depuis 1983. Tout. C'est 71e année fête paroisse et Saint-Patron, commune Kenskoff. Et on connaît moun Kenskoff, c'est de moun qui paisible, moun qui hospitalier. Donc yo t'ap fêté, c'est ça fort que fête la belle participation en pile moun pèlerin de moun qui sorti dans section communale yo et qui descendent vinn fêter ses patrons communaux.
Donc c'est vrai, nous vivons dans un pays qui est de crise, sous fond de crise, que nous reconnaissons ça. Mais qu'est-ce qu'on si tout dirigeant, si tout citoyen, t'es fait effort, même avec la population qu'est-ce qu'on nous avons une meilleure société. Et en ce qui a trait à la participation, élève l'école, en pile, tout le monde, toute l'école dans la commune, t'es venu participer, et l'école sur yo, ok, et tout est là. L'école, en pile l'autre l'école, t'es participé, lycée, t'es une délégation qui vient participer dans la fête patronale, dans la première messe là, qui dédié avec surtout élèves l'école qui toujours participé. L'occasion fait là, comment les systèmes sécurité aient dans Keskov? Bon, pour Keskov, je suis capable de dire que c'est sécurité, il y a un pile effort qui fait, ok? Il y a sécurité, et capable de deux cas. Vraiment qui passe, mais ce n'est pas de cas majeur, ok, de incident. Et dans toute société, il y a ça, mais qu'est-ce qu'on offre au point de vue de sécurité, de propreté, ou est que PA, curé par Asta, l'idiot que c'est une dans la commune, dans le département de l'Ouest, qui est plus propre. Donc, il y a pile effort que la mairie fait, et maire, ok, maire, administrateur, surtout, commune, mais estimé Nadal, il fait un pile effort pour qu'il y ait une commune propre, commissaire de police, pour qu'il y ait sécurité, et police, la justice, tout ça. Donc, c'est un leadership partagé au niveau dirigeant commune, pour qu'il y ait une commune en tête. Donc, pas gagné de cas qu'on est capable de dire, même gens avec d'autres côtés, sans que je ne cite non, qui a passé un peu partout dans le pays, mais qu'est-ce qu'on fait la différence? Voilà, équipe TVK Bla dit merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là, c'est TV Caraïbe et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.